On voit une game avancée. Après cette game. Après cette game, les amis, on aura fait 3h30 de TFT. Et on ira terminer le stream par deux petites games de LoL. Avec notamment un first time on top lane. Coaché par le chat. Ça va être incroyable. Donc restez avec nous. Hein. Je compte sur votre coaching. Hein. C'est tes yeux de tes voisins, je ne vois. Oh, incroyable, formidable. Vive la Suisse. D'ailleurs, j'ai des trucs à déposer, faut que je passe vous voir bientôt là. J'ai des... j'ai quelques trucs à déposer, les gars. Ah, j'ai un vrai stuff de Varus là. Va. Si je suis OTP Varus à partir de maintenant. Officiellement TP Varus, les amis. Vive le pognon. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Étienne sur le chat. Vous expliquerez avec lui. Hein. Varus fort sur TFT, nul sur LOL. Atrox nul sur TFT, fort sur LOL. Alors je peux vous avouer que Atrox était nul sur TFT, mais. Oh! Allo? Allo? Y'a quelqu'un? Et après, non mais là on peut pas dire que je suis en TP, on est d'accord le chat. Genre là est-ce que je suis pas juste en train de jouer ce que le jeu me donne franchement? Genre Est-ce que c'est pas juste jouer ce que nous donne le jeu en vrai? Sincèrement, franchement. Genre on est d'accord qu'il y a rien d'OTP là-dedans. Je vais pas le lock pour le Twitch, j'aimerais avoir des hammers surtout. Là en vrai j'ai juste joué ce que le jeu me donnait. Après en vrai. Genre, quand c'est annoncé, c'est pas un top deck. Genre là, c'était juste annoncé en vrai. Quand c'est annoncé, c'est ok en vrai, de vrai. Genre là, juste c'était annoncé, genre y'a R quoi, tu vois. Moi je m'adapte hein, du coup. Hein. Oh putain, le. Je suis Draven. Je m'adapte à ce que je vais m'adonner, du coup, les gars. Oh la game de légende quoi. Oh sa mère. Ah non c'est trop là en vrai. Oh non c'est trop bordel. Bon fuck le Twitch. Hammer je le garde pas comme la game d'avant. Adapte et over. Oh bah je m'adapte les gars, je m'adapte. Non mais c'est important de s'adapter en vrai. Genre c'est très important de s'adapter à ce que vous donne le jeu quoi. Prédiction. Allez prédiction. Prédiction va ton top 1. Deux minutes pour voter parce que la game est déjà bien engagée. Oh bah j'ai une amie. Fuck Rise du coup on a dit cette game. Après Skarner est meilleur que Nami tant que j'ai pas Sylas quoi. Ouais c'est ça. Tout à fait Thierry. All-in sur non. Non mais là c'est free top 1 en vrai. Hein. C'est free top 1, c'est du jamais vu quoi. Je mets tous mes points. Ah non mais là c'est free top 1. Genre, j'ai jamais vu un top 1 aussi free de ma vie quoi. Genre ceux qui mettent non, vous êtes juste full d'élu quoi. Vous êtes full d'élu ceux qui mettent non quoi. Genre un peu de believe, un peu de mojo là. En plus j'ai eu un plan cybernétique et une très bonne augmente, hein. Je suis très content. Là je suis vraiment très content les amis. Genre le satisfait est total quoi. Oh là là, comment ça tabasse? C'est free top 3, mais top 1 c'est Aoshin. Non, mais c'est free top 1, les gars. Genre, vous avez jamais vu ça. Genre, c'est légendaire quoi. Hammer, magnifique. Pré-push.
Donc là, dès que j'ai Sylas, ça met Sylas, Nami, Hammer. Paf. Lulu level 6, terminé. Mais ouais, j'avoue, faire gaffe au Aoshin pour le top hein, quand même. Mais ouais, c'est au moins free top 2, ça c'est sûr ça. Ta ta ta. Attends, lui il est level 4, il a un gros top Kench 2, je sais pas si je le bats en vrai. Il est strong en vrai lui. Il est Numpsy surtout, c'est fort en early Numpsy. Genre il m'a défoncé quoi. Alors qu'il a pas l'augmente de board en plus, ça m'étonne ça. Attends, c'est pas fait encore, si c'est fait là non. Ah, le petit stun qui... Ah non, genre, non mais genre il m'a défoncé lui. Avec Fluttermine en plus. Ah, putain la vache. Bon bah rip le top 1. FF hein. Ah ouais, FF en fait. Terminé quoi. C'est fini. Ça y est. Oh. Oh, comment ça ping? Oh les traîtres. Oh les traîtres qui ping mon perso. Oh les bâtards. Los bastardos del fuegos. Dévasté quoi. Très bien. Non mais je vois que j'ai été trahi quoi. Genre il y a des Judas dans cette game. Oh Hammer et Sylas. C'est oh, incroyable par contre ce qui se passe là. Hein. Je touche absolument tout ce qu'il faut quoi. Aucune prison ne peut me retenir. Et par contre je peux pas rentrer Hammer avant le level 6. Eh oui. À moins que. C'est mieux d'avoir mage peut-être. Du coup j'ai pas les deagles parce que j'ai perdu le fight d'avant fuck. Peut-être mieux d'avoir mage en vrai. Que d'avoir. Après ouais je suis pas sûr parce qu'en fait lui il porte quand même 3. Il porte quand même 4 composants quoi. Après on s'en fout maintenant que j'ai perdu le fight d'avant, mais c'est mieux d'avoir Twitch en vrai c'est sûr hein, je pense. Genre Twitch est 100% mieux quoi. Parce que c'est ça qui me donne des dégâts à mon Varus quoi là pour le coup. Après ça donne mass tankiness à Sylas. Et Sylas c'est crack broken comme perso. Ouais, je sais pas, en vrai, il y a des bas. Genre, je suis sûr de gagner 100 mages là en vrai. Salut Raylex. Salut mec. Bonjour, bonjour. Si là, c'est bien mage que 4 brawlers. Ah, bah, ça c'est évident, ça, ouais. Ça, c'est sûr, ça. Ouais, j'aime bien. En fait, comme le MRE 2, tu vois, il me plaît bien, quoi. Tu vois, il me donne envie le MR2. On a envie de lui confier les clés du pays, vous trouvez pas, à ce Hammerdinger. Genre, on a envie de lui donner les comptes publics. Sylas quoi, après il y a quand même beaucoup en face. Hein. Il y a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup quoi. Ouais, mais il y a beaucoup chez moi aussi. Hein. Oh le Hammer 2, oh le Hammer 2, quel frère quoi. Il a fait des bons stuns le Hammer, en plus il fait des bons dégâts, hein, c'est con. Hein. Bon, on est très content. Bon, dommage d'avoir perdu ce fight. Mais grande victoire là. On est premier au final, personne n'est en win streak, assez rare. Oh ah mais c'est job astral. Ok. Ouais non, finalement j'ai pas eu de Varus. Bon 3 ennemis c'est bien ouais mais. Je pense qu'on va roll au 7 hein, les Nami hein, Nick hein. Genre clairement Nick hein. Je rappelle que juste après cette game les amis, on va first pick pour la première fois Horn, first time Horn pardon, sur League of Legends. Parce que les viewers m'ont chauffé, ils m'ont dit tant que tu joues top faut jouer Horn et tout. Donc là on va first pick en ranked là. First time en ranked directement. Parce qu'on m'a dit que les vrais hubs, first time en ranked et pas en normal games. Et j'ai dit moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis un vrai homme. Donc voilà. En tout cas, grande session de TFT, on n'a pas fait un seul bottom.
depuis 8h du matin. Oh, j'ai un stuff de fou en plus, bordel là. Je vous jure que mon stuff il est légendaire. Je vais mettre un item sur Silas, un item sur Ilaoi pour un plan. Et après on va stuffer notre Nami avec le stuff AP qu'on aura récupéré. Je sais pas si je dois level up. Ouais vas-y. En vrai ça... Vraiment ça me rend vraiment beaucoup plus fort de level up. Tu rentres Tristana? Non, je pense que c'est mon level 7 même si en vrai. C'est un peu comme dans la compo mage quoi. Soit tu l'as très tôt et tu loose trick avec Numsy et tu fais grossir Numsy et au level 7 tu te renforces. Soit t'es direct une compo forte, mais par contre Lulu rentre qu'au level 7 quoi. Mais par contre du coup Numsy est moins grosse. Mais par contre t'as plus de PV, potentiellement plus de gold parce que t'as win streak. En vrai il vaut mieux l'option elle rentre au level 7 je pense. Match de prépa de l'OM ce soir, contre qui on joue? Est-ce que Ronaldo est sur la feuille de match ou pas? Pour le match. J'allais jouer Varus tant que ça a changé. Ah ouais, ça parle mal en vrai. Ça dégoûte hein. Ta-ta-ta. Alors, second souffle, électrocharge, puissance tenesque, c'est mort. Bon, second souffle, c'est une valeur sûre en vrai. Ouais, c'est une valeur sûre en vrai, non? Ouais, c'est ok. C'est ok. Oh, Lulu. Bon, je les achète, hein, ça va coûter cher. Mais... C'est bon, le 27. On joue contre Middlesbrough. Très bien. Tellement de voir la légendaire doublette entre Luis Suarez et Ronaldo, perso. Rolando, tu veux dire? Malheureusement. Ah il a en build diff. Oh la vache. Son corki bon après bon il est en build diff mais il a littéralement 0 item d'équipé donc je pense que je vais l'éclater hein. Build diff ou pas build diff quand t'as 0 item d'équipé hein, c'est pas la tech hein. Je sais pas si tu as un perso en vrai no joke. Il a tué vite fait Maïlaoi quoi. Mais dans la douleur la plus totale quoi. Très bien. Non mais limite si je gagne ce fight je passe 7 direct pour rentrer Lulu quoi. Et pour garder ma win streak. Juste faut gagner ce fight. Ça va être agressif hein. Il fait peur lui sur Kayn. Son Kayn fait peur de ouf. Ok je l'ai pas tagué. C'est lui qui m'a niqué tout à l'heure avec son type gange de merde. En vrai il est fort hein. Il est fort entre sa Sunfire sur le Temp Gange 2 plus la Tristana 2 plus le fake bon même si est 1 en fait c'est vraiment cool. Et qu'il est second souffle lui aussi. Merci Kruisan, merci beaucoup mec pour l'abonnement. Merci pour les 6 mois d'abo. Ah fuck les défaites, ça fait deux fois, c'est le seul mec qui m'a battu mais deux fois il m'a battu quoi. Fuck my life quoi. En plus, il y a des timings de mort juste au moment de ma win streak, tu vois, où ça allait être vraiment bien et tout. La richesse allait être totale, quoi. Mais... Fuck. Évidemment, alors, je suis let's pick. Mais les items que je pourrais vouloir, j'avoue qu'ils sont pas très très intéressants à piquer, honnêtement. Dégonne pas Pinto. Oh, Michael. Qu'à pas prendre mon épée, Michael, quand même, va faire ça. Oh là là, j'ai l'épée. Légendaire l'épée. Bon, mon Varus c'est full stuff. Hein. Mon Varus c'est full stuff. Tout va bien. Ça ne va pas leur plaire.
Faudrait qu'on mette un item sur Illaoi au plus vite. Sur Illaoi et Nami quoi. Genre histoire de proc les 200. L'AD on s'en fout dessus, mais les 200 PV en plus c'est cool quand même quoi, tu vois. C'est très bien. J'ai l'impression que je suis pas contesté sur Varus deux games d'affilée. Merde. Après bon là les ennemis sont hard contest hein. Je pense que j'aurais pas Nami 3 je pense potentiellement. Pareil, Illaoi 3 ça va être un enfer quoi. Mais du coup au contraire les Varus sont encore plus simples à avoir du coup. Mais j'avoue que la Nami elle faisait autant le café que Varus la game d'avant. Même là Illaoi hein, c'était fou hein. C'était juste fou hein. Ah ouais non, Eldarus il est trop bien là. Ok. Alors le chop astral. Ok. Il y a un Hammer 3. Ah oui. Terrible. Namikari ça marche toujours. Ouais mais là tu l'avais dans la compo Varus c'est trop bien. Bah, le seul défaut c'est que ma Illaoi est 1 et que mon Sayla c'est 1 et que je suis pas très riche. Mais en vrai, Lulu 2 va rentrer directement au level 7 donc j'ai déjà ma Power Spike au level 7. Donc bon. Putain, j'avais dit tout à l'heure que son Sylas faisait trop peur. Son Sylas, son. Ah, second souffle, second souffle. Oh oui, Varus qui se remet full vie. Oh Varus. Entre le heal de Nami et le second souffle, le Varus il a été full heal. J'aurais jamais pensé gagner ce fight en vrai. Oh bordel quoi. Ah, j'en reviens pas quoi. Putain. Oh mon dieu quoi. Bah, j'ai presque envie de vous dire, peu importe le stuff que j'ai, je suis au complet, ça y est. Et l'effectif est au complet. Faudra être sur Twitch aussi hein, pour les 20 d'AD. C'est 20, 15 d'AD, pardon. Ça t'énerve, c'est vrai. Très bien. Ok, je dégage. Et les gueules. Et dégage. Je suis à 50, c'est très bien. J'ai une ceinture, c'est très bien. Ceinture sur L pour prog un plan. Ah non, mais talent, c'est. Ouais, non, talent, il rentre même pas dans la compo au final. Hein. C'est juste que j'avais pas lu la game d'avant, mais hop, j'avais pas. Tac. Et mon level 8, bon ça peut être talent mais. Alors je vais quand même roll pour Varus 2. Oh non sans branle du coup. Alors il faudrait Illaoi 2 aussi les amis. Ouah les Nami Wouah. Peut-être sont pas farouches hein. En vrai je suis one of Nami, one of Sylas, j'aimerais bien avoir un des deux. Attends pourquoi j'ai une baguette? Elle sort d'où la baguette? Je l'avais pas ramassée. Bah sur elle du coup très bien. Oh, je suis tellement bien. Alors le seul défaut c'est que j'ai que deux Varus. Enfin j'ai que Varus 2 pardon, excusez-moi. Je vais y arriver. J'avais pas l'ami 3 qui l'a dit. Bah j'avoue je suis étonné mais très bonne surprise. Alors lui par contre j'avoue que son Olaf il fait flipper sa mère. C'est un top 1 je reconnais. Je sais pas, j'ai pas beaucoup de Varus hein. Sac de composants. Lié. Non, mais sac de composants, c'est toujours une valeur sûre en vrai. Parce que là, je cherche du stuff tank, du stuff Nami. Enfin, c'est très bien, on est très content là. Alors, Warmog. Oui. Archange. Non, ou Rabadon. Shojin. Excellent ça. Ah, Sylas 2. Attends, mais vas-y, mais Illaoi 2, c'est censé être facile à avoir normalement. Ils abusent là par contre. Hein. Bien le bonjour, je suis le docteur de Tiny Fogachar. Hélas, il n'avait pas pu prendre ses vitamines hier. Ne vous inquiétez pas, au contraire, avant, il reprendra mes vitamines garde. Salut Tokoname. Bonjour. Je te jure quoi. Il n'avait pas pris ses vitamines. Et est-ce que tu penses que Wood Van Hart avait pris ses vitamines hier, Tokoname? Parce qu'on a eu un débat tout à l'heure sur Van Hart. Hein. Moi je l'ai défendu, mais.
Les gens étaient assez critiques des vitamines de Van Hart sur le chat. C'est les Beatles. Je trouvais sa prestation étonnante. Ah bah quand il a... quand il a lâché Pogacar dans Outakam, j'étais en mode oh putain, il est fort hein. Genre limite s'il voulait il déposait Vingard en vrai. Non c'était trop en vrai genre. Oh le plus beau shop de ma vie quoi. Genre bah faut que je lock hein. Je suis pas là Varus. Très bien. Il va me falloir 3 crédits pour acheter ce shop quoi. Non mais j'ai adoré quand il s'est relevé pour laisser partir Vingard et qu'il a repris la route Pogacar quoi. Bon après il l'a lâché au final mais bon. Je crois que dans l'oreille du jour, ça commence à se voir là, arrête. C'est plié le Tour de France du coup. Ouais, c'est plié. Les chutes c'est fréquent au Tour de France. Ah bah ultra fréquent ouais. Ils prennent des risques de fou les mecs. Bon il me fallait épée idéalement mais je suis la speak donc bon. Ouais, je prends le large, je vais le donner à Twitch. Faire un statique, ça sera très bien en vrai, comme ça. Faire un statique, un. Pardon. Proc cyber, excusez-moi. J'en perds moins latin. Bon, il nous manque le Varus. Prochain job astral, je l'aurai sûrement, je pense. C'est Valet et Taylor qu'ils ont dans les équipes du Tour de France. N'importe quoi. Très. Au moins Pinot, ah Pinot ça se voit qu'il est propre Pinot hein. Pinot ça se voit qu'il est propre. Genre j'ai pas de doute sur Pinot tu vois. Il est lâché à chaque fois, on sait qu'il est propre. Ou alors ils peuvent être dopés mais juste beaucoup moins fort en vrai aussi c'est. Pinot franchement j'ai pas de doute sur lui en vrai. Mais ça veut rien dire en vrai, c'est super con de raisonner comme ça. Moi Pinot j'ai aucun doute hein. Alors je rappelle que juste après la game les amis, le chat va lancer un défi. First time horn en ranked sur LOL. Je compte sur votre coaching hein. Ah je peux pas roll parce que j'ai eu la oui fuck. Je relais j'avais Varus mais. Ta-ta-da. Franchement avec un vélo électrique je baisse les mecs du Tour de France. Je suis même pas sûr en vrai. Franchement je suis pas sûr. Hein. Moi je pense qu'avec une moto, ils finissent devant moi je pense. On commence les cartes d'affiche, ça va être des cartes pour la journée. Oh là là c'est beau ça. C'est beau ça déjà, un petit pute pour commencer. Bon du coup je suis One of Varus 3, du coup je risque pas de gagner ce fight. Hein. Je suis top laner en silver, je vais bien te coach. Ah mais j'ai besoin de coaching sur Horn les gars. Je compte sur vous. Hein. Alors, plein d'items. En vrai... Je peux te faire juste Arcan, j'ai fuck le Shoji là. Ouais en vrai le stuff il est trop bien en vrai. Ah quoique c'est pas si bien que ça en vrai peut-être. Je sais pas. Ouais non, en fait c'est pas faux parce que du coup ça me laisse le Négatron. Ouais non c'est de la merde en fait. Ouais non c'était pas ouf en fait.
Ouais, je sais pas pourquoi, je pensais que j'allais pouvoir faire étincelle ionique aussi, mais c'était de la merde. Bon, c'était pas fou, hein. Eratum. En plus, j'aurais jamais il a OI3, je crois. Ah, ça, en fait, le vélo électrique, il aura jamais la batterie pour. Moi, je pense que c'est impossible. Genre, le vélo, il monte pas dans les color catégories, le vélo, je pense. C'est pas fait pour ça, les vélos électriques. C'était pas beau, c'est pas mon meilleur souvenir. C'est quoi, électrique dans un hors catégorie? Ah mais moi je pense que c'est pas du tout. J'en ai jamais eu de vélo électrique, mais à mon avis c'est de la merde à mon avis. C'est quoi cette Dobsy merguez? Ah, on va dire que Dobsy c'est plus un concours de circonstances dans cette compo quoi. Plus qu'une vraie volonté politique. Ça va cette compo, marche bien hein. Franchement c'est redoutable. Oh, remarque Nopsy va passer 3 en vrai, c'est pas mal hein. C'est pas mal en vrai. C'est sûr qu'on a fait 2 Nopsy 4 tout à l'heure, du coup on est trop bien habitué maintenant. Terrible. Terrible, terrible. Alors lui il est en mage, normalement Varus ça peut vraiment éclater mage assez vite hein. Ça va le faire là non? Ouais je prends des CC de bâtard. Ouais ça va le faire je pense. Oh non mais Varus c'est trop je vous jure. Et du coup c'est si éclaté que ça Varus sur LoL il paraît. J'en vois jamais. Hand farm le plus facile. Tu prends des fights sans te mettre trop en danger avec le jungle adverse et t'attends les fights d'équipe pour briller. Ah mais moi avec Horde je vais prendre des kills sur la ligne avec Horde moi. Moi je vais... C'est pas méta mais c'est exotique. Ah d'accord très bien. J'adore. Il a oeil. Là il faudrait qu'on rentre le bardo là. Les baldo. Varus c'est juste pas populaire mais c'est fort. Ah très bien. Très bien très bien. Ta-ta-da-ta-da. Horde c'est dans énormément donc en 1v1 sur ta lane t'es assez tranquille, tu peux lui rouler dessus en fonction du match-up. Ouais c'est comme Tahm Kench quoi, genre tu meurs jamais sur ta lane quoi. J'adore. Ça change d'Irelia quoi. Irelia c'est squishy sa mère en vrai. Si tu rates ton E Irelia tu meurs quoi. En vrai c'est ok blue buff sur ma Nami, potentiellement. Genre vu que j'ai pas de cheveux, c'est pas ouf blue buff Nami mais là ça fit assez bien en vrai pour le coup. Ok bim. Caitlyn Euromillion meilleur pick. C'est quoi ça Caitlyn Euromillion? Je sais pas ce que c'est mais ça me parle. Je pense qu'on peut top 1, je pense. Le problème c'est quand on va y avoir un Oshin à la fin. Ah non lui il est casse-couille aussi en vrai, mais là ma Nami est full stuff ça y est. En fait ça va peut-être manquer d'un GS quoi. Ah quoi que, c'est pas si fou que ça GS contre lui en vrai. C'est pas mal contre le Hidas mais bon. Genre il y a que le Hidas qui prendrait de GS quoi. Non ce qui est chiant c'est que le Hidas arrive à caster deux fois là.
On va pas qu'il recaste une troisième fois. Ah, il va recaster une troisième fois. De toute façon, s'il casse une troisième fois, toute la team sera morte hein, déjà. Ok, il a casté que deux fois. Ah, ah, le Runel a tué le Corki. Ah non, je suis deg. Ah, ça se joue à rien, putain. Fuck. Non, le problème c'est Silas 2, Ilaoi 2. Il y en a. Faudrait que lui il meurt en fait, lui il a Silas 3, Ilaoi 3 en fait lui. En fait quand lui il sera mort la vie sera beaucoup mieux, vous allez voir. Je pense par contre c'est pas moi qui peux le tuer par contre à mon avis. Après son raid c'est pas 3, est-ce qu'il manque pas trop de dégâts le type? Nemsi qui fout de l'anti-heal, c'est très bien. Parce que je pas de Morello ou de Sunfire, donc Nemsi fait ce travail là. Ah mais ils sont déjà encore à corps du Varus, là c'est chaud quoi. Après c'est la vieille chèvre en vrai, ça va. C'est la vieille. Après ils ont fait une chèvre quand même, ou en bas. Oh le cœur gelé, ok il est mort. Oh, je gagne hein. Bah, c'est moi qui le sort, j'ai rien dit. Ah mais du coup ça me donne presque envie de rester level 7 pour trouver Silas et Ilaoi, mais bon. Non mais là Ilaoi, ouais, sur le shop astral j'allais dire j'ai. On va locate sur Ilaoi. On pourrait locate sur Lulu aussi pour un plan cyber. C'est peut-être la tech en fait. Vas-y, on va locate sur Lulu, je pense. Après, c'est là pour level 8. Non, level 8, ça va être une légendaire, c'est sûr. Idéalement, ce sera Bard, idéalement. Dans le meilleur des mondes. Sona c'est ok au pire. C'est là au cas où hein. Ouais bon on s'en tape d'avoir plus de dégâts sur Nemsi, genre Nemsi elle est même pas level 4 là. Zoe ou Ember tu gardes. Non là, là je joue pas Zoe. C'est le Rico Rico. Enfin je garde Ember en tout cas. C'est le Rico, merci beaucoup pour les 10 mois d'abonnement Rico Rico. Rico Rico. L'ami Ricoré, l'ami du petit TFT. Bon, le Sifel est casse-couille là. Après, l'ami a un archange donc elle snowball les dégâts. Pas parce qu'elle va se faire OS prochain cast de Sifel. À moins qu'il tape et meurt. Non, il tape Dami Fuck. Ah putain de merde. Y'a pas de. Y'a pas le parano. Je crois que je vais encore faire un top 2, ce serait mon quatrième top de la filée je crois. Parce que je pense que lui il va niquer le siphon et après je vais mourir. Ça me va. Ça me va très bien. D'accord, il y a un shroud là, un shroud là. Au secours. Ouais, ça sent le top 2, j'avoue. J'avais dit que c'était top 2 top 1 cette game. Ah, bah oui, ça a quand même un peu de mal à top 1 en vrai. Alors, faut vraiment snowball et pouvoir passer 9, tu vois. Mais là, moi j'ai trop roll au 6 pour aller 9 là. Juste que le mec a 13 PV il meurt en fait, sinon c'est la merde. Et Corki. C'est l'ami Corki. C'est bon. Saved. Bon on va essayer de top 1 mais. Ça me paraît délicat les amis hein. J'essaie de trouver un petit bard hein, mais. Aïe 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 aïe. Aïe 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 a
terrible désillusion pour le chat. Le chat est abattu. Turlututu. Chapeau pointu. Escroc. Ah ouais, c'est ma faute. Hein. Blame le jungle quoi. Better. Ah, mais il a Zephyr aussi. Mais il y a combien de Gangan aussi, wesh? En même temps, 4 top de la finish, je sais pas quoi vous vous attendiez en votant oui, hein, franchement. Putain, j'aime pas tuer le Hidas, bordel quoi. Ouais, c'était bien. Je suis très content. On a gagné plein de LP et là c'est maintenant le rationnel.